ne sache la mawenge. C'est un menga rabo. Et toi, somme vota loi. For menga han ton rondic sache l'obtenga pour autre de bien pour bon yon fou. Par of tuo yo be tuo table. Makan Rwanda yang makaya. For Sunday men lo bay lo ti le fanyen se lo go tobi for tra problem. Pakda fo mako. Dans une ville comme Ouagadougou, qu'on sort un peu dans les villes et les campagnes de ce pays, ce qui est intriguant, c'est de voir ces sachets-là qui sont accrochés aux arbres, aux branches des arbres, qui sont dans les clairières, qui sont dans la nature, sur le peu de végétation que nous avons. On se demande quel peut être l'impact de ça. Toi, on s'en est allé ici, quoi. Espace, tout normal, le monde va te faire des examens. Au milieu de ton haut. D'accord, quand il y a des signes, il n'y a pas de signes de l'eau. Il y a des 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 signes de l'eau. Si aujourd'hui un conseil de ministre décrète que l'importation de tout déchet plastique au fassio est interdit, il n'y a pas de raison qu'un commerçant ose aller prendre le risque de prendre son argent pour aller payer ses marchandises, l'amener, tout en sachant que ça sera confisqué. Même au sein de notre capitale, il y a des usines aujourd'hui qui fabriquent les sachets, sans pour autant chercher à savoir que deviennent ces sachets-là après l'utilisation. Et ambassadeur du Japon au Burkina Faso. J'habite ici depuis 3 ans et demi. Les sachets plastiques, c'est pas bon pour la santé. Les moutons mangent les sachets plastiques, etc. Sachets plastiques est toujours est partout dispersé dans la rue et dans le jardin. C'est pas bon pour la santé, mais encore, c'est pas bon pour les yeux. Si les touristes visitent quelques pays, s'il y avait beaucoup de sachets dispersés dans la rue, ça nous donne une mauvaise impression. Et aussi, ici, il n'y a pas de sachets plastiques dans la ville. On penserait que cette ville vaut la peine d'y investir. Donc, pour plusieurs raisons, on doit débarrasser les sachets plastiques de la rue. Je m'appelle
Kabore Sandawa Hari, je suis le maire de l'arrondissement de Bogotá. Nous sommes vraiment conscients que ce n'est pas bien pour l'environnement quand on sait que ça cause pas mal de problèmes et la pollution en ville ici. Mais la mairie a depuis lors entrepris des actions tendant à, sinon, si possible, faut arrêter. Parce que si on me fait. Parce que c'est ça le discours. On veut faire comprendre aux gens que c'est impossible de lutter contre. Que le phénomène a pris tellement d'ampleur qu'on ne peut plus contrôler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La preuve, il y a des choses qu'on interdit de faire ici qui ne se font pas. Donc on pourrait faire la même chose pour les sachets plastiques. Et ça, de quoi tout le monde? Métier Jiming a besoin de malgré le problème. Pour toi, tu es ça dans votre menu, mix, tu n'es pas ça, c'est la mort, comment autre l'homme, ça, c'est la mort, bon, et ça, d'abord. Et ça, dans le menu, il y a rien d'autre. Pas très menu, j'y ai. Les sachets noirs ne doivent pas jeter au hasard comme ça, c'est pas bon. Sachets plastiques et autres objets en plastique bouchent nos caniveaux, ce qui peut provoquer des inondations. Tonto il aime le gouvernement et problème. Puisque bam toron ba ne solution ramon te remplace ta chez rama. Tonya ta tem sa tava te tara yas guru ya wa carton rama. Tu shi ti de même de carton rama ko Muhammad Rabala 20 am ta wu dan bana le bobu mato. La sa chez rama ka ben sa ba pour moi. Sa chez rama nam rar fa gil. La gone ra toron ge hin la me. Bon le bu mun te remplace ta chez rama. Donc mi kram ti le kan me son rar fa gil. Am akir population me. La mairie même passe. Parce que n'importe n'importe y a rien que d'eau, hein? Un chien, n'importe. Mais tu vas attendre le ticket de jour de Tangambara, hein? Nous on s'est acheté ticket Tangambara, hein? Pour le raconter ici, pas raconter ici.
D'accord. Moi, aujourd'hui, dans une boutique, si je paye une marchandise à une telle quantité où je ne peux pas tenir avec la main, et si je n'ai pas un sac à côté, si le boutiquier me fait un emballage plastique, je ne vais pas refuser. Oui, je pense que si tout le monde s'y met. Oui, si on s'organise, oui. Oui, je le pense. C'est une question de volonté politique, c'est vrai, mais je pense que tout le monde doit s'y mettre. Oui, je pense qu'il est bien possible de lutter contre les déchets plastiques. Oui, pourquoi? Parce que si les gens s'y mettent, on peut. Seulement, il faut une forte sensibilisation des couches sociales de la commune. On peut par exemple les recycler. Ça déjà, je vois que ici, bon, j'ai vu certaines organisations essayer de faire des recyclages, mais là, bon, ça traîne toujours. Donc je pense que s'il y a plus d'organisations, on pourrait y aller. C'est parce que nous les avons abandonnés. Si, par extraordinaire, chaque individu, la population, faisait en sorte que
le sachet après l'utilisation se retrouve dans un lieu sûr, dans une poubelle quelconque, ben on n'allait pas retrouver ce sachet-là dans la nature. Le devoir de sensibiliser la population, parce que tout le monde ne sait pas, ne connaît pas les effets néfastes des sachets plastiques. C'est la raison pour laquelle, à travers notre association, nous avons l'objectif donc de sensibiliser, de conscientiser les populations sur les effets néfastes, disons, des sachets plastiques. Chaque commune cherche, par exemple, des poubelles publiques. À chaque coin de la rue, on voit des poubelles. Cela va tiquer le citoyen. S'il voit une poubelle et qu'il voit un sachet devant lui, il aura au moins le réflexe de prendre ce sachet et mettre dans la poubelle. Mais s'il n'y a pas de poubelle et que chacun se promène dans la nature, tu pars, tu payes quelque chose, on te sert avec un sachet. Au lieu de jeter ça comme ça, tu regardes devant autour de toi. Si tu vois une poubelle, tu vas, tu mets. Tu n'as pas de poubelle, tu continues. Ça c'est con, vraiment, c'est quand on a bon pissé. Ce monde a sachet, nous, ça, le sachet, là, pour vos sachets. Il y a un sachet là-bas, il y a un sachet, c'est là. Les gens, on est là. C'est pas bien pour l'environnement parce que ça dégrade le sol. Parce que la maligre pose au bon partir dans nam sa paraba wote. Bala ya ton ta sache la maton kota paraba. Et bon nerin da bumu se akara sache. Le sache ya gratuit. Nerin da bum client da bum fonen se. Sa ne me ton dum na sache yi ba ta bu be bumu zeli mun zem hasaba. Kapaba ndar sashe ya ton ndar sashe wa on ko paraba za alim kinantel la yinga don han wina paraba ndar sashe wa bo en taran la solution to ya ton ndar sashe na ma on ko paraba za la wanda fo buma fana katen wo buma ni fo po kun kun ala don ati le fo pam bu mun sa kan kan sa ba bunu ba ya pi bum la fo ra runo de la fo ya ni sashe te ningi ni ngi ta won ta sa kan sa kan sa wa asa fo tan pokon bangana ni sashe wa yen fo ko to yela ta ara lob yalla to anan yimtis mina sagarzi ti shobgari kun shen ga shen ga tenga fala ba sa no mana wala ton me ko hora ton me bara no ri be sida la yin ti ton ne ye ne ba to gra yin ti ton ko to ba so ka lo sagara ya le ko na mana wala La poubelle est alors pas si collée, la banane est moins. Puisque, on n'est pas là que minimum. Ça ne dira rien, n'a ni moins. Pour ça, je vais faire la boutique de Gwen, c'est sur la noire. Pour ça, il y a une nuit comme une dixation à l'aube. Ça me boule à une gagne yambala. Hanka nan est transavala, nan, ou ma gomme, t'en indique la minci, c'est ça. Ça donne l'ouzine ou un de ça. Les sociétés doivent être conscients que les sachets qu'ils jettent à terre sont pollués l'environnement. Et à la longue, c'est nos enfants qui vont venir vivre ça. Et à nous-mêmes de protéger notre environnement. De l'environnement, c'est la population d'abord. C'est nous-mêmes qui vivons ça, c'est nous-mêmes qui provoquons ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Ça dégrade notre environnement et ça crée énormément de dégâts sur les animaux et également sur le réseau d'évacuation. Et aussi, rien que les pollutions visuelles ou olfactives. Une étude a révélé que environ un tiers des animaux qu'on envoie à l'abattoir d'urgence sont là
par la cause des sachets plastiques. Qui entre tous les jours. Quoi, 2 millions de personnes à Ouaga? On a calculé que dans une concession, il y a peut-être 3 à 4 sachets par jour. Hein? Multiplié par le nombre de concessions, s'il y a 2 millions, ça fait 200 000 kilos par jour. Bon, c'est phénoménal, les quantités. Alors, la question que vous posez est intéressante parce que est-ce qu'on peut supprimer les sachets? Je pense que ça marche à Rwanda. Moi, j'ai aucune affinité ni amour pour les sachets. Et puis, il y a la deuxième chose aussi, on ne va pas aussi résoudre tous les problèmes des sachets parce qu'il y a tout le comportement des gens qui ont du mal à imaginer ne pas jeter les choses parce que c'est une société qui a pris l'habitude de considérer l'espace public comme quelque chose qui ne les appartient pas, ce que je retiens. À ce niveau-là, c'est vrai que la gestion des déchets relève des communes, des municipalités, des maires. Et donc, nous, au niveau du ministère de l'Environnement, nous les interpellons et nous essayons de les appuyer en termes de conseils, en termes d'appui technique. On se posait bien la question comment on va faire parce qu'on ne connaissait pas de solution technique. On a commencé avec l'idée de faire des pavés, sachant que pour ce qui concerne les sachets, là, on n'a pas arrivé à faire des pavés. Le coût de production était trop important. Les pollutions liées à la transformation des sachets en pavés, parce qu'il fallait les brûler, étaient trop importantes. Donc on s'est trouvé au bout de 3 ans avec n'ayant pas résolu le problème des sachets. Pour les autres filières, on a quand même avancé un peu. On sait qu'il y a des solutions, mais j'aurais du mal à expliquer ou savoir exactement pourquoi, à partir du moment qu'on a des solutions, pourquoi on ne les met pas en œuvre. Ça ne relève pas de mes responsabilités. J'accuse trop même le gouvernement. Parce que je vous rappelle qu'en 1994, on avait parlé de ces mêmes déchets plastiques qui proliféraient trop la ville. Mais à l'époque, les gens avaient dit comme quoi les opérateurs économiques amenaient les chargés du fait qu'il n'y avait pas d'impôt au niveau de la douane. C'était une marchandise non dédouanée. Et ça encourageait les commerçants à amener ça beaucoup. Au lieu que l'État prenait la décision propre, courageuse, d'interdire l'importation de ces déchets plastiques-là. Non, l'État a trouvé un moyen de dire que non, il faut les faire dédouaner. Alors, c'est un problème financier que l'État veut. L'État veut les fonds. Alors, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Mais il y a un moment où il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
de façon à serrer, tu as bon ouin la façon, tu as ça, tu as bidon. Tu as bon une fois, mais tu fais ça, l'homme vient en entrant dans la main. Tu vois le cas, l'homme pouvait l'enlever, on continue. À mon nouveau, c'est comme ça. Merci beaucoup. De Koudougou, t'inquiète pas. Comme mettre pour moi là aussi. Hey.